Martin sur Arthur Leclerc. La bleue de Victor Martin sur Arthur Leclerc. Ils étaient partis côte à côte sur la grille de départ. Et il est passé, Victor Martin. C'était très très chaud entre les deux. On se fait pas de cadeaux. Hein. Des piles et des dépassements chauds. Et c'est pas terminé parce que regardez derrière. C'est terminé pour Arthur Leclerc. Je pense qu'ils se sont touchés. Ah, ils sont touchés. Qu'est-ce qui s'est passé même avec Victor Martins? Et ouais, c'est ça, les deux. Les deux pilotes. Ah, terrible. Terrible. Novalak, Martins, Leclerc. Ah là, c'est terrible évidemment dans cette course. Les trois pilotes, dont deux Français et le pilote monégasque Arthur Leclerc, pris dans cet accrochage. Évidemment, il va regagner la piste, mais en dernière position, safety car dans cette course. On voit Victor, et je pense qu'il a crevé la voiture. Bon, il va abandonner. Ouais, parce qu'on a vu Leclerc rentrer derrière. Victor a dû amener un peu Arthur sur l'extérieur. Et à un moment donné, il n'y avait plus de piste, ils étaient dans l'herbe. Donc, freiner une voiture dans l'herbe avec le DRS, il en a perdu le contrôle et il est venu percuter. Les deux autres véhicules, les deux autres monoplaces au milieu du virage. On va revoir ce qui s'est passé. Arthur Leclerc. Quel dommage. Dans la voiture. Are you okay? Are you okay? Yes. Et ça va pour Arthur Leclerc, mais sonné par l'accrochage, probablement sonné aussi par sa course qui est ruinée maintenant. Sonné par la déception qui doit être... énorme pour lui. Ah là, c'est vrai que là, ça nous a bien refroidi. Hein. Ah, oui. Tonnerre pour nous, Français aussi, parce qu'on a quand même deux pilotes tricolores pris là-dedans. Et puis Arthur Leclerc, évidemment, qu'on suit particulièrement aussi, le frère de Charles. Trois francophones à out sur un virage. C'est... Je pense que Novalak, lui, il n'avait rien demandé.